Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la Prescription Lab du mois de juillet-août. Voilà, comme vous le savez, les Prescription Lab, ça fait déjà quelques années, font une box double comme certaines box, comme Blissim, voilà, comme d'autres box. Eh bien, Prescription Lab s'y est mis également, ils font une box double, donc au mois d'août, on ne recevra pas de box, mais on a reçu une box plus grosse pour ce mois de juillet. Donc je trouve ça plutôt cool, comme ça, ça permet au moins, si on part en vacances en juillet ou si on part au mois d'août, de pouvoir profiter vraiment un maximum de cette box. En plus, là, on la reçoit super tôt, donc voilà, il y a, je pense, peu de gens, il y a des gens qui commencent à partir quand même en vacances, mais quand même, c'est pas la majorité. Donc c'est chouette, on va pouvoir utiliser ces produits-là. Enfin, normalement, je pense que ça va être des produits qui sont un petit peu destinés pour les vacances, voilà, et voilà, c'est super chouette de pouvoir les utiliser tout au long de cet été. C'est parti. Donc j'ai reçu le petit prescripteur, il est ici avec la liste des produits, je pense, enfin voilà, si on a des questions, on regardera, il y a un petit, généralement il y a toujours, peut-être des petits jeux cette fois-ci, je sais que des fois ils mettent des petits jeux pour les vacances, des petits reportages, voilà, des interviews, je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on a une petite, bah là on a des recettes de... Oh, ça a l'air bon ça, salade haricots verts, boulgour, feta, aneth, amande. Regardez ça, c'est pas bon ça? Ça a l'air super bon. Voilà, je tombe dessus comme ça, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ouais, ça me fait moins rêver. Ça aussi, ça a l'air super bon. Voilà, donc bon, bref, c'est pas forcément ça qui nous intéresse le plus, c'est la box. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et si cette box également vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous permettra d'avoir une réduction de 5 euros. Donc 5 euros, voilà, elle revient à peu près. Bon, là, ce mois-ci, elle coûte un petit peu plus cher parce que c'est une box double, mais elle coûte dans les 25 euros, donc moins 5 euros. Voilà, elle vous revient à 20 euros et généralement, elle vaut vraiment le coup. Bon, je vous fais pas trop languir, voici la box, elle se présente comme ça, donc en fait on a le goodies en même temps, c'est une box, c'est une pochette double, ouais c'est ça, une pochette double avec des petites pressions, donc voilà, c'est une pochette double qu'on peut refermer comme ça, transparente, en espèce de plastique là, hop. Et puis deux petites fermetures. Au-dessus, je trouve ça pratique. Je vous avoue que ça, c'est plutôt sympa, même pour les vacances. Vous emmenez comme ça, vous avez tout votre nécessaire. En plus, c'est transparent, vous voyez ce que vous avez dedans. Je trouve ça vraiment génial. Et en plus, je la trouve quand même très, très jolie. Voilà, très, très jolie. Donc, bah, c'est parti. On va ouvrir déjà un côté et puis on va voir ce qu'il y a. Alors, première chose que je prends, c'est de la marque d'Alice, c'est le Banana Shake Masque Bonne Mine, un masque bonne mine, voilà, shake, ça me fait penser un peu aux bananes, tout ça, banana, ah c'est parce que c'est banana shake, donc je sais pas si ça a une odeur de banane ou quoi que ce soit, bon c'est fermé, mais non, pas plus que ça, enfin, en tout cas j'ai rien senti, pourquoi pas, je trouve ça sympa, en tout cas j'aime bien la marque d'Alice, donc bah à tester. Ensuite, de la marque Exertier, le miracle du miel. Là, j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était un produit qu'on avait déjà eu. Cette marque-là, c'est le miracle du miel. Mais en fait, c'est un baume démaquillant. Mais là, c'est pas un baume démaquillant, c'est soleil de miel. Donc, c'est une crème réparatrice au miel pour le après-soleil. Voilà, révélateur de soleil, tout ça. Donc, on reprend. Et qu'est-ce que je vois? Donc, on avait le choix entre la gelée démaquillante royale, c'est la chose qu'on avait, j'avais déjà reçue, et là c'est le soin visage préparateur et accélérateur de bronzage. Il mise sur l'huile de carotte et l'extrait d'orange pour préparer la peau à l'exposition au soleil. Ok, augmenter la production. Ok, appliquez votre soin le matin après votre crème hydratante et complétez l'utilisation de votre crème solaire, mais ne le remplace pas. Ok. Bah chouette, chouette, très très chouette. Donc ça, bah, c'est idéal pour les vacances. J'ai hâte de tester. Donc je vous l'ai pas dit, hein, mais je vous aurais mis le prix ici, hein, comme d'habitude, le prix de revient de chaque produit. Comme ça, vous aurez une valeur de la box. On continue avec le produit Pellab Beauty. Donc je pense qu'on aura deux produits Pellab Beauty, si je pense. On verra bien, mais normalement, dans la logique, on devrait avoir deux produits Pellab Beauty. Et là, cette fois-ci, c'est la crème solaire visage et corps 50 SPF.
nickel pour les vacances également, pour débuter, pour même actuellement, etc. Vraiment, c'est hyper important et ça vous empêche pas de bronzer. Donc, surtout, n'hésitez pas parce que c'est important pour la peau. Donc, ça, c'est chouette, très très chouette. Franchement, là, on a reçu pas mal de produits solaires et c'est cool parce que j'ai même pas besoin d'en acheter pour les vacances. Franchement, c'est top parce que j'ai même pas besoin d'en acheter. Donc, franchement, c'est top. Crème solaire, voilà. Donc, nickel, j'ai hâte de tester parce que je connais pas du tout la crème solaire de chez Pella Beauty. On continue avec encore un produit Pella Beauty. Eh bien, c'est un base et top coat cocktail malin du thé vert, d'avocat et d'épinard. Ok, Pella Beauty, on a un top coat et base coat en même temps. Ça, c'est chouette parce que j'en avais un et j'ai presque fini. Même si je vous avoue que bientôt, je vais, il faut que je fasse ma manucure semi-permanente. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo, je vous ai montré que j'ai acheté le kit manucuriste et je vais tenter l'expérience. Donc, n'hésitez pas à me suivre hein, et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas rater la vidéo de ma première utilisation. Par contre, j'arrive pas à ouvrir celui-ci. Si vous voulez pas rater la première utilisation de... du kit parce que ça risque d'être très très sympa, voilà. Donc bah voilà, c'est un top coat, une base coat, donc une base et un top coat, donc nickel. Ce sera toujours utile, c'est quelque chose que j'utilise parce que je vous avoue que même si là je vais me lancer dans le semi-permanent, je pense que je vais me mettre aussi de temps en temps du vernis classique hein. J'aime ça parce que dans les semi-permanents pour l'instant j'ai que deux couleurs, donc parce que il faut voir comment ça va se passer encore hein. On ne sait pas gagner, donc clairement ce genre de produit je vais en avoir besoin. Donc dernier produit de la première pochette, c'est de la marque Poderm Professionnel, c'est un huile sérum purifiante doco assainit, répare, clarifie, très bien, purifie, ouais c'est ça. Bon, pourquoi pas, vous savez j'aime beaucoup moi maintenant c'est en forme comme ça, mais c'est pour sérum purifiante, c'est en pinceau, c'est pour les ongles, c'est ça, sérum pour ongles, voilà, c'est pour les ongles, donc effectivement c'est bien ça, c'est pour les ongles. Donc on passe à la deuxième pochette. C'est pas fini hein. On continue avec la marque Cultive Blé Seigle Lin. C'est un sérum raffermissant, donc ouais, un sérum raffermissant. J'aime beaucoup le packaging. On aurait cru un peu en vert, mais c'est du plastique dur. Mais j'aime beaucoup la couleur, le packaging. Je trouve ça très sympa. En petit spray comme ça, c'est chouette. Enfin, c'est pas du spray, en petit flacon pompe. Voilà, je cherchais mes mots. C'est pas du tout du spray, c'est un flacon pompe. Mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Puis blé, seigle, lin, pourquoi pas. Bon, un petit sérum raffermissant, ça fera pas de mal. Voilà, hein, ça fera pas de mal. Alors, c'est bientôt la fin. Nous avons du lait pour le corps de la marque Elixir Floral Absolu au géranium, rose géranium. Voilà, body lotion, ouais. Et de la marque Panier d'essence. Cherchez, hein, vraiment, la marque que je cherchais, c'est Panier d'essence. Et c'est une crème pour le corps. Voilà, bon, je suis pas méga fan. J'ai peur que là, ce soit un peu trop floral en plus. C'est très floral, très très floral, j'apprécie pas forcément quand c'est trop floral comme ça, mais bon, c'est pas grave, je pense que voilà, mais comme vous le savez, s'il y a des produits qui m'intéressent pas, je mettrai sur mon compte Vinted, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez l'habitude maintenant, donc voilà, un beau flacon tout de même. On finit presque avec Rouge Français, donc c'est une huile à lèvres. Yes, c'est ça. J'en ai deux. J'en ai une sur mon bureau. Je suppose que c'est la même. Ouais, c'est la même. voilà, clairement, je l'utilise quasiment tous les soirs. Voilà, j'aime bien mettre le soir. Voilà, un petit peu d'huile sur les lèvres. Donc, il y a une espèce de petit roll-on. Voilà, je peux vous le montrer. Et voilà, j'aime bien en mettre sur les lèvres, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Sauf que du coup, bah, pourtant j'en mets tous les jours, mais vous voyez que c'est à peine descendu, quoi. Vraiment à peine descendu, c'est vraiment très très long à utiliser. Donc bah, celui-ci, je ne vais pas le garder, parce que sinon j'en ai pour dans 10 ans, je les ai encore, quoi. Donc, mais bon, c'est une très très chouette huile, la preuve, hein, elle est sur mon bureau, elle est là, je l'utilise quasiment tous les soirs. Bah voilà, donc très sympa, voilà, pour hydrater les lèvres, c'est très chouette.
Et on finit avec un petit goodies. Nous avons un petit sachet de thé de la marque Panda Tea. Et là, c'est le Ice Tea Agrume. Ok, donc pour faire du thé froid, agrume ou pas, hein, pas forcément au froid. Mais je trouve ça chouette. Je vous avais déjà dit qu'il faudrait que je tente Panda Tea. Je vous avais dit que je testerais bien cette marque-là. Je pense qu'à la rentrée, je vais me laisser tenter par un petit kit, voir un petit peu ce que ça vaut, parce qu'on en entend quand même pas mal parler, mais j'ai jamais tenté l'expérience. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà testé cette marque là et si vous trouvez rien que le goût déjà, si c'est pas mal ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette marque. Bref, voilà pour le contenu. Bon bah c'est quand même une grosse box hein. 2, 4, 6, 8, il y a 8 produits, donc avec la petite pochette. Voilà, en plus, donc franchement, elle est quand même très très sympa. Il y a vraiment de tout, des chouettes trucs pour utiliser maintenant ou même plus tard. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao !